Frédéric, pendant ce temps de l'Avent, qu'est-ce que tu attends de Dieu? Moi, personnellement, j'attends rien du tout, je suis à la disposition du Seigneur. Christiane, pendant ce temps de l'Avent, ce que tu attends de Dieu? Je change certaines choses dans mon comportement. Cathy, pendant ce temps de l'Avent, qu'est-ce que tu attends de Dieu? Alors, pour moi, le temps de l'Avent, c'est le temps de l'attente. Et l'attente dans l'espérance. Alors concrètement, je ne sais pas, mais voilà, l'attente, c'est l'espérance pour moi. Bonjour mes amis, on a commencé l'Avent. Est-ce que tu as bien commencé l'Avent ou non? Est-ce que tu as commencé déjà ton chemin vers le Seigneur? Seigneur attend notre décision de prendre la route vers lui. On a installé dans notre église une échelle qui représente, qui symbolise la venue du Christ. Jésus vient. Il a pris la décision de sortir du ciel pour habiter parmi nous, ici sur la terre. Venir habiter parmi nous, c'est la bonne nouvelle pour chacun de nous. On connaît son amour. On peut s'attacher à lui. On peut être avec lui chaque jour. Quelle grâce et quel bonheur pour nous tous. Et cet chemin, on s'appelle l'Avent. Jésus a sorti du ciel pour venir vers nous. Mais bien sûr, on connaît que l'Avent, c'est aussi notre chemin vers lui, vers le ciel, vers la vie éternelle, vers son amour. Cet chemin suppose une préparation, une décision à prendre profondément dans notre cœur, à l'intérieur de chacun de nous. Moi, je voudrais aller chez toi, mon Seigneur. Et mon Dieu. Et cette échelle symbolise aussi notre vie spirituelle, notre intérieur. Saint Jean-Baptiste nous invite de préparer le chemin pour le Seigneur. Donc donne la place à lui dans ton cœur, dans ton corps, dans tes pensées, dans ta volonté. Donne la place à lui. Rende droit ses sentiers. C'est la troisième explication de cette échelle. Pendant ce temps de l'Avent, je voudrais faire avec vous une expérience de notre chemin, de notre chemin intérieur aussi. Il faudra se poser la question, ce que je désire, qu'est-ce que je désire profondément, qu'est-ce que j'attends de Dieu pendant ce temps de l'Avent? Qu'est-ce que c'est? Ta demande, ta décision, cette désir intérieur est très important parce qu'il nous oriente vers lui, vers Noël, vers sa naissance, vers sa vie, vers son amour. Est-ce que tu as déjà pensé? Ce que tu voudrais de Dieu, ce que tu attends de lui pendant ce temps de l'Avent. Peut-être quelqu'un peut me dire, mais c'est pas grave, qu'est-ce que moi j'attends? C'est beaucoup plus important ce que Dieu attend de moi, que ce que Dieu voudrait de moi. Qu'est-ce qu'il voudrait faire avec moi? Dans la lecture d'hier, de mardi, on a entendu « Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau. » C'est ça qu'il attend, le Seigneur. La paix totale, la paix qu'on ne connaît pas, parce qu'on n'imagine pas que ça peut être possible que le loup habitera avec l'agneau ensemble. Et en même temps, on attend cela de tout notre cœur.
comme le Seigneur viendra, quand le Seigneur viendra habiter en toi, tu vas ressentir cette paix et cet amour de Dieu profond en toi. Je te souhaite bon avant et pose cette question jusqu'à la prochaine vidéo dimanche. Et moi, qu'est-ce que j'attends de Dieu ?